Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Pour nous avancer la réunion demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Yeah! T'es où, bordel? Chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh putain! Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou-blou. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Bah c'est pas grave, dès qu'on voit une aire de taureau, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusque-là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps? Mehdi, réveille-toi! C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ah, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh, pardon. Comment? Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission? On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Pardon.